Fils d'un ouvrier, il débute, très jeune, dans une usine de produits chimiques. Puis dès l'âge de 13 ans, il travaille dans un théâtre, sa grande passion, comme porteur de bagages, machiniste, régisseur et même parfois acteur. Durant la guerre de 1914 à 1918, il est envoyé sur le front d'Orient. À son retour, il trouve un emploi dans les assurances, avant de participer en tant qu'acteur à des tournées provinciales qui débouchent sur un engagement de longue durée au Canada. De nouveau en France, il est remarqué sur les planches dans Les Jours de notre vie, mis en scène par Raymond Rouleau, puis dans une pièce d'Édouard Bourdet, Margot, avec le couple Printemps, Freinet. Dès 1935, il apparaît au cinéma dans des rôles secondaires et, à partir de 1941, il est de plus en plus sollicité par les réalisateurs pour interpréter des rôles consistants, en particulier par Christian Jacques, qui le fait jouer dans 6 de ses films, alors qu'il tourne aux environs de Dijon La Carcasse et Le Torcou, de René Chanasse, avec pour partenaires Michel Simon et Michel Martin. Il retourne à Paris par le train de nuit, ayant pris malencontreusement la porte donnant sur la voie pour celle des toilettes. Il est aspiré à l'extérieur et écrasé par le convoi dans le tunnel de Blaisy-Bas, où son corps sera retrouvé. L'Humanité du 6 octobre 1947 rapporte qu'il aurait pu être assassiné par un homme en gris, et que certaines informations auraient laissé entendre qu'il aurait pu appartenir à un service étranger de renseignement.